Bonjour et bienvenue dans Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Il est 16h et on débutera avec Magali qui nous parlera de Mariam Mirzakhani et sa médaille Fields. Ensuite, nous aurons Nicolas qui nous fera une chronique sur le rhume des foins. Nous continuerons avec une chronique sur des infos insolites. Après, nous aurons Lilian qui nous présentera le CRPG de vendeur. Et enfin, nous terminerons avec Magali qui nous fera un quiz sur la place des femmes dans les prix Nobel. Et on commence tout de suite avec Magali qui va nous parler de Mariam Mirzakhani. Oui, donc Mariam Mirzakhani est une femme qui est née en 1997 à Téhéran, où elle y fait ses études. Elle a fait ses études au lycée Farzanegan, qui est un lycée d'excellence pour les femmes, en Iran. Donc vraiment, c'est-à-dire que quand je dis que c'est un lycée d'excellence, c'est que les sélections se font, et les sélections se font dès le collège, en fait. Vraiment, c'est super tôt. Et c'est vraiment donc pour les femmes qui sont très fortes. Mais du coup, quand tu dis pour les femmes, c'est-à-dire qu'il y a des écoles séparées hommes et femmes ? Là, dans ce cas-là, oui. Alors, j'ai pas fait des recherches sur l'éducation à Téhéran, mais dans ce cas-là, oui. À 17 ans, elle remporte déjà donc une médaille aux Olympiades internationales de maths, de mathématiques. Et du coup, c'est pour se rendre compte déjà de son level. Et elle a ensuite continué ses études donc, en mathématiques, et elle a soutenu sa thèse aux États-Unis sous la direction de Curtis McMullen. Alors, je sais pas si vous voyez qui c'est. Moi, non. Le médaillé Fields de 1998. Donc, c'est pas n'importe qui. Et donc, elle a soutenu sa thèse, et sa thèse a été vraiment bien prise par le monde scientifique. Et ça a permis de vraiment lui donner de l'importance. Elle a travaillé donc aux États-Unis, où elle était donc professeure à Stanford à partir de 2008. Et en 2014, elle est la première femme à recevoir la médaille Fields. Et du coup, la seule pour l'instant. Donc la médaille Fields, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est un prix qui va récompenser les scientifiques en mathématiques. C'est un peu le prix Nobel pour les maths. Ouais, voilà. J'allais dire, le prix Nobel de mathématiques n'existe pas. Donc c'est l'équivalent du prix Nobel en mathématiques, c'est la médaille Fields. Donc qui existe depuis 1936 et qui récompense les scientifiques tous les 4 ans. Donc avant que Mariam Mirzakhani ne la reçoive, il a fallu attendre 78 ans. Et divisé par 4, donc 19 éditions de la médaille Fields. Parce que c'est tous les 4 ans ? Oui. Et donc avant elle, il y a eu donc 52 hommes récompensés. Et comme elle est la seule femme et qu'il a encore eu cette année que des hommes, elle ne représente que 2% en fait des récompensés par la médaille Fields. Est-ce que ça voudrait dire qu'il y a peu de femmes qui sont dans la recherche en mathématiques ? Alors non, justement, il y a beaucoup de femmes dans le monde mathématique, comme un peu dans tous les domaines scientifiques au final, mais elles sont moins écoutées et moins prises en compte. Il y a aussi beaucoup d'autres femmes qui avaient reçu aussi également, donc là c'est plutôt des prix Nobel, mais pour lesquelles ça a été difficile et ça avait ramené donc beaucoup de polémiques, mais ça fera sûrement du coup l'objet d'une autre chronique. Donc elle est malheureusement morte en juillet 2017 suite à un cancer du sein. Donc elle n'avait que 40 ans, elle aurait pu aller beaucoup plus loin en fait. Et sa mort a été vraiment regrettée par tout le monde. Elle est considérée aujourd'hui comme l'une des femmes scientifiques les mieux vues en fait. Vraiment en fait, c'est comme ça a été la première à recevoir la médaille Fields. C'était un peu un modèle en fait. Et elle-même disait qu'elle espérait être un modèle pour toutes les femmes qui s'engageaient en science. Et que dorénavant, plus de femmes seront récompensées par ce genre de prix. Alors, ses recherches portaient sur les surfaces de Riemann, principalement. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des surfaces de Riemann. Personnellement, non. J'ai déjà entendu le nom, mais je ne sais pas de quoi ça parle. J'avais jamais entendu avant de faire les recherches. Alors, en fait, c'est un peu compliqué. C'est un plan qui va permettre de pallier en fait certains paradoxes qui sont amenés dans les plans complexes. Donc le plan complexe, c'est un plan qui permet de représenter des nombres autrement en fait que ce que nous connaissons donc avec des axes x et y normaux ou des graphiques normaux. En fait, les nombres complexes donc utilisent une variable i, et cette variable va permettre donc d'utiliser
des nombres élevés au carré négatifs, qui vont être négatifs. Un nombre au carré, ça va être un nombre qui va être multiplié par lui-même. Quand on multiplie un nombre par lui-même, le résultat sera toujours positif. Comme il sera au carré, il ne pourra pas être négatif. Oui, c'est ça, parce que quand on fait un nombre négatif fois un nombre négatif, on obtient un nombre positif. Et pareil, si on fait un nombre positif fois un nombre positif. Donc un carré, fatalement, ne sera jamais négatif. Et quand on utilise cette variable i, on arrive à avoir un chiffre négatif. Oui, car donc i est un nombre tel que i au carré est égal à moins 1. Et donc ça permet en mathématiques de faire beaucoup de choses que je ne détaillerai pas ici. Mais donc voilà, on a cette variable i au carré. Et dans certaines équations, le fait que i carré vaille moins 1, ça peut créer certains paradoxes. C'est-à-dire que deux écritures différentes de la même équation vont donner deux résultats différents. Et donc les surfaces de Riemann est un plan qui va permettre de pallier ces paradoxes et arriver au même résultat pour les deux équations. Est-ce que j'ai été assez clair ou Pour moi, oui. Et moi, ça va. Ok. Et donc, c'est pour ça, notamment, qu'elle a reçu la médaille Fields en 2014. Moi, j'ai une question. Oui. T'as dit qu'il y avait eu 50 médailles Fields chez les hommes, mais t'as dit que ça a été créé en quelle année, les médailles Fields? Ah oui, alors, en fait, j'ai pas précisé. Tous les 4 ans, c'est 2 à 4 scientifiques qui sont récompensés. Ah oui, il y en a donc plusieurs qui sont récompensés. Oui, voilà, c'est pour ça, qu'il y a... Je les ai comptés un par un pour arriver aux 52. C'est comme les Nobel, c'est souvent des groupes de chercheurs qui sont récompensés. Oui, oui. Eh bien merci Magali, on va tout de suite faire une petite pause avec Kungs et on retrouvera Nicolas qui nous parlera du rhume des foins. À tout de suite. Re-bienvenue dans Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Nous en étions à Nicolas qui va nous parler du rhume des foins. Et oui, l'hiver est quasiment là et avec lui ses nez qui coulent, ses gorges irritées et la plupart d'entre vous, vous pouvez pas sortir sans prendre au moins un ou deux paquets de mouchoirs. Tout ça à cause de ce maudit rhume dont je vous ai parlé la dernière fois. Donc, rassurez-vous... D'ici quelques mois, ce sera le début du printemps, il y aura le soleil, les oiseaux, les fleurs, les insectes, mais aussi le pollen. Et du coup, pour presque 20% d'entre vous, votre nez va de nouveau couler, votre gorge va de nouveau s'irriter, votre nez en plus de couler, il va être bouché à la fois. Et petit symptôme bonus, vous aurez les yeux qui piquent. Alors tout ça, c'est dû à quoi? C'est dû à ce qu'on appelle le rhume des foins. Donc c'est un peu une appellation barbare, parce que c'est pas vraiment un rhume. En fait, ça vient pas d'une bactérie ou d'un virus comme le rhume, ça vient de ce qu'on appelle une allergie. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est une allergie et pourquoi c'est différent d'une autre maladie? C'est pas dans les gènes, non? C'est pas quelque chose de maladie génétique, non? Est-ce que ça peut s'attraper? Pas vraiment ça. Non, ça peut pas s'attraper. Ok, donc on l'a dès le début. C'est ça. C'est un dysfonctionnement du système immunitaire. C'est ça, tu peux nous en dire plus, Lina? En fait, il surréagit à des choses qui sont pas dangereuses pour l'organisme. Il reconnaît des choses qui sont inoffensives, comme des agents infectieux, et du coup, il va engendrer une réponse immunitaire exagérée. Ouais, c'est ça. C'est pas forcément des agents infectieux, comme t'as dit. Ça peut être bah, là du coup du pollen qui n'est pas forcément dangereux pour la santé. Je disais que c'était justement des choses qui sont pas des agents infectieux. Ah, c'est reconnu comme des agents infectieux. Ouais, mais ça peut aussi être aussi des agents infectieux, mais qui ont pareil ont surréagi. En fait, il y a différents types d'allergies. Et donc là, on s'intéresse à l'allergie au pollen. En fait, c'est une allergie respiratoire parce que ça vient dans un premier temps des voies respiratoires. Les autres types, c'est des allergies cutanées. Donc je sais pas si vous avez déjà fait de l'urticaire ou des choses comme ça, c'est aussi un type d'allergie, donc c'est sur la peau. Et les allergies alimentaires, que vous connaissez aussi, hein, les plus connus, les allergies aux arachides, des choses comme ça. Il y a les allergies médicamenteuses, donc certaines personnes qui vont être allergiques à certains médicaments. Ça rejoint un petit peu les alimentaires, mais c'est pas tout à fait pareil. Et les allergies à des venins. Aussi des gens qui vont être allergiques aux piqûres de guêpes et d'insectes et qui peuvent avoir des gros gros symptômes et... Ça peut amener jusqu'à la mort, oui. Oui, c'est ça. Mais donc, même des allergies alimentaires, en général, ça peut être très, très réactif. Ouais, c'est ça, ça peut provoquer ce qu'on appelle un choc anaphylactique. Vous avez peut-être déjà entendu le terme. En fait, c'est pas vraiment un choc à proprement parler, si vous voulez, mais c'est vraiment une grosse, grosse réaction allergique. Et comme elle va se passer à l'intérieur de notre corps, vu que c'est quelque chose qu'on a mangé, c'est très... Ça peut être très dangereux et la plupart du temps, la vie de la personne est menacée.
Mais du coup, ça, on peut pas l'avoir avec le rhume des foins. Non, le rhume des foins, c'est quelque chose de respiratoire, un petit peu cutané. Par exemple, vous pouvez être irrité au niveau des yeux, des choses comme ça, mais il y a très peu de complications, sauf pour des personnes qui ont déjà des problèmes respiratoires de base. Mais la plupart du temps, c'est pour ça qu'on l'appelle rhume des foins, parce que c'est comme un rhume, c'est embêtant, mais sans plus. D'accord, donc il n'y a pas de cas extrême d'allergie qui amènerait à un choc anaphylactique. Pour un rhume des foins, non, c'est ça. D'accord. Donc on va s'intéresser du coup à ces problèmes respiratoires. Mais attention, tous les pollens ne sont pas allergènes, il ne faut pas mettre toutes les fleurs dans le même bouquet. Donc il y a deux types de pollens, ce qu'on appelle les pollens entomophiles et les pollens anémophiles. Alors la différence entre les deux, c'est que les entomophiles, ils ont besoin des animaux pour se déplacer. C'est ce qu'on retrouve, par exemple, quand on dit que les abeilles, elles butinent, elles récoltent du pollen. Ce type de pollen, c'est un pollen entomophile parce qu'en fait, il va se fixer sur les animaux. Donc en fait, les grains de pollen sont plutôt de grosse taille. À leur surface, on a des petits crochets qui permettent du coup de se lier sur des animaux, que ce soit des insectes ou même des animaux des bois un peu plus gros. Ce qu'on appelle aussi la zoochorie. La zoochorie, c'est plus pour les graines, mais c'est le même principe, oui. Et donc du coup, les pollens différents sont les pollens anémophiles. Alors ceux-là, ce qu'ils ont de particulier, c'est que c'est des grains de pollen qui sont vraiment encore plus petits que les entomophiles et qui sont lisses à leur surface. Et le problème de ceux-là pour les allergies, c'est qu'ils vont être trimballés par le vent. Donc ils ont besoin de personnes pour se déplacer à part le vent. Et du coup, comme ils sont plus ou moins en suspension dans l'air, ils peuvent se retrouver dans nos voies respiratoires et du coup provoquer toutes les réactions allergiques dont on vient de parler. Alors maintenant, est-ce que vous connaissez les causes qui peuvent faire que quelqu'un va être allergique à quelque chose ou pas? Les causes, c'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, comme Corentin tout à l'heure disait, est-ce que c'est dans les gènes? Donc est-ce que, par exemple, ça va être défini par notre génome? Est-ce qu'on peut l'attraper? Bon, j'ai déjà dit que non tout à l'heure. Mais ou des facteurs qui vont favoriser le fait que les gens soient allergiques ou pas? Peut-être le fait de peu côtoyer des pollens différents, ça peut peut-être... Ah ouais, le fait que tu restes plus en ville, t'auras tendance à supporter les pollens dans la campagne. Voilà, par exemple, à la campagne, t'es sujet à plein de pollens différents, et le fait de rencontrer peut-être un nouveau type de pollen, ça peut... ou... peut-être pas. Alors non, pas vraiment, mais pour en revenir à la ville, en fait il y a quelque chose qui se passe en ville, c'est qu'en fait c'est au niveau de l'air. En fait le fait que l'air soit plus pollué en ville qu'à la campagne, enfin, bon, ça, dans certains cas ça se défend, mais globalement on va dire qu'en ville il y a un air de moins bonne qualité qu'à la campagne, et du coup ça va provoquer beaucoup plus de maladies respiratoires, comme par exemple des personnes asthmatiques ou des choses comme ça, qui seront de ce fait plus sensibles à des pollens qui arrivent. Après, comme au niveau génétique, on n'a pas remarqué un gène particulier qui faisait qu'on était allergique ou pas, mais on a remarqué qu'il y avait des prédispositions. Si des gens de votre famille proche, vos parents, vos arrière-grands-parents, vos cousins, des choses comme ça, sont allergiques au pollen, il y a beaucoup de chances pour que vous soyez allergique aussi. Et du coup, donc pour lutter contre ça, il y a des traitements qui sont faits, donc de désensibilisation, où en fait on va petit à petit augmenter les doses. Donc ça marche pour toutes les allergies, mais vous mettre face à une toute petite dose et petit à petit l'augmenter jusqu'à ce que votre corps la tolère totalement. Donc voilà, c'est tout pour moi sur le rhume des foins. Eh bien merci Nico, et maintenant on fait tout de suite une pause avec les Daft Punk, après je vous parlerai d'infos insolites, à tout de suite, puis l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Et dans cette partie, je vais vous parler d'infos insolites. Et on va commencer tout de suite avec Mars et des traces de fossiles. Alors, donc faut savoir que... Enfin oui, vous avez bien entendu, sur Mars, il y aurait des traces de fossiles. Donc une équipe de la NASA va envoyer le rover Mars 2020 dans un cratère de la planète rouge. Donc l'équipe est convaincue que ce site abriterait de nombreux fossiles de micro-organismes. Donc faut pas s'imaginer des fossiles de dinosaures. Ce sera plutôt tout ce qui est des bactéries ou des choses comme ça. Donc le rover décollera entre le 17 juillet et le 5 août 2020. Son but, ça sera de collecter des données sur deux sites, et il devrait arriver sur Mars vers le mois de février. Donc déjà, est-ce que vous auriez une idée de ce que c'est qu'un rover? Comment vous pourriez le décrire? C'est une sorte de robot qu'on envoie sur l'espace qui ressemble un petit peu à
un genre de karting, genre. Ouais, c'est ça. Qui ressemble un peu à Wally, c'est ça? Oui, c'est ça. Sauf que ça a un petit côté plus un petit 4x4 en gros, sur lequel vous allez mettre plein de caméras, d'instruments pour faire des récoltes géologiques et analyser plein de choses. Et sur... ça voudrait dire qu'il y aurait eu de la vie sur Mars, il y a longtemps? Oui, et ça serait il y a 3,5 milliards d'années. On a des traces d'eau qui le confirmeraient, et là, avec les vues satellites qu'on a, il voudrait envoyer le rover justement sur la planète pour voir s'il n'y aurait pas carrément moyen de récupérer des échantillons. Ok, et ce serait éteint quand l'eau elle a disparu de Mars? Ah ça, je ne sais pas. Mais du coup, c'était ça aussi ma question. Du coup, est-ce que ce serait comme sur la Terre où ces micro-organismes se sont développés dans l'eau, ou alors ils n'ont pas de théorie dessus, ou Ce qu'ils sont en train de dire, ça serait que si, ça serait se développerait à partir de l'eau. Okay. Comme la NASA commence à supposer qu'il y a eu de la vie sur Mars, ils ont commencé à faire une échelle géologique. Donc déjà, est-ce que vous pourriez m'expliquer ce que c'est qu'une échelle géologique? C'est pas avec les différents temps? Si, c'est ça. Après, les noms des temps... Bah, en gros, c'est une frise chronologique donc, qui permet de dater les grandes périodes de la Terre, à la base. Et là, ils sont en train de faire la même chose pour Mars. Donc, vous êtes capable de me citer quelques périodes bien connues qu'on a sur Terre, juste... Le Crétacé. Voilà, tout ce qui est triage jurassique Crétacé pour les dinosaures. Et bah, en fait, ils sont en train de faire la même chose pour Mars. Et du coup, ils font ça alors qu'il n'y a toujours pas de micro-organismes vraiment découverts. Comment ils arrivent à faire ça? Mais parce que tu fais pas ça qu'avec la trace de micro-organismes, tu fais avec les différents types de sols, ce qu'ils ont pu... Mais comme ils sont pas sur Mars, ils voient juste ce qu'ils ont à la surface, ils peuvent pas creuser ou proposer de nouvelles théories, donc ils essayent de faire une frise géologique juste en regardant la surface de la planète. Parce qu'en regardant la surface de la planète, ils arrivent à déterminer les différents temps géologiques. Grâce aux différents... Ouais, parce que t'as plein de mouvements qui se font, et tu peux déjà, suivant comment ton domaine géologique est, juste le visuel, tu peux très bien reconstruire le passé. C'est ce qu'on fait exactement avec la Terre en ce moment. Sur tout ce qui est chaîne de montagne, par exemple. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est fou quand même. Donc j'ai une deuxième anecdote un peu insolite, c'est des chercheurs qui ont réussi à créer de l'électricité avec un champignon de Paris aux États-Unis. Donc ils ont mis des cyanobactéries capables de produire de l'électricité dans le champignon. Ils ont mis aussi du graphène à l'intérieur pour collecter cette énergie. Alors, les cyanobactéries, ce sont un groupe de bactéries qui arrivent à faire de la photosynthèse, c'est-à-dire qu'ils créent de l'énergie grâce à la lumière. Et en fait, les scientifiques, ils ont posé ça sur le champignon, donc ça a permis de créer de l'électricité. Et ensuite, on a le graphène qui est mis dans le champignon, et ce graphène, il va justement récolter cette électricité, et après, elle va être stockée. Bon, ça a pas la capacité d'une éolienne, ou c'est vraiment faible, mais ça pourrait faire réfléchir à de nouvelles voies écologiques pour créer de l'énergie. Parce que du coup, ça serait possible de faire ça à grande échelle. Oui. C'est un peu de l'exploitation de champignons quand même. Je suis pas trop d'accord. Et oui, j'ai pas expliqué. Par contre, le graphène, c'est une forme particulière du carbone qui est conducteur et qui permet de récupérer l'électricité. Et donc du coup, oui, ce que je disais tout à l'heure, tout cela, ça reste très intéressant donc, pour une transition écologique, quand on sait qu'on pourrait avoir aussi des arbres bioluminescents, et que maintenant on peut produire de l'électricité avec des champignons. Et pour terminer, on va parler de quelques Darwin Awards. Est-ce que vous savez ce que c'est que des Darwin Awards? C'est des récompenses de gens qui sont morts bêtement. Exactement. Du coup, j'ai trois petites questions là-dessus. Alors, le premier a eu lieu en France, dans la ville de Rouen. Donc c'est sa mère, elle a enfermé son fils quarantenaire dans son appartement pour l'empêcher de boire de l'alcool. Et comment va-t-il réussir à en sortir? Petit A, il va faire un feu pour appeler les pompiers et va mourir à cause de la fumée car il n'aura pas ouvert de fenêtre. Réponse B, il va utiliser un câble Ethernet pour descendre en rappel par une fenêtre, le câble va céder sous son poids et il va mourir en tombant. Réponse C, sa mère va l'oublier et il va mourir en mangeant de la nourriture pour chat périmée. Alors, à votre avis, c'est laquelle? Réponse C. Magali. Ouais, je dirais réponse A. Moi, je dirais la C aussi. C'est maman qui l'oublie. Ah, bah non, c'est la B. Il va utiliser un câble Ethernet pour descendre en rappel par une fenêtre. Il va céder sous son poids, il va mourir dans la chute. Alors, une deuxième. J'en ai choisi que trois, hein, parce qu'il y en avait beaucoup et ça a été difficile de choisir quand même. Donc, en Ohio,
donc aux États-Unis, en essayant de nettoyer des toiles d'araignées dans sa cave. Un monsieur refusera d'utiliser un balai. Du coup, que va-t-il faire? Petit A, il va prendre un aspirateur qui va exploser car il y avait trop de toiles, le tuant par la même occasion. Petit B, il allumera une torche pour brûler les toiles, brûlant ainsi sa maison et lui-même. Réponse C, en nettoyant avec un gant, une araignée va lui monter dessus, paniquer, il tombera par la fenêtre. Moi je vote pour l'incendie. Ouais, moi je vote pour l'incendie aussi. Moi aussi. Et c'est ça, oui, il va allumer une torche, il va brûler les deux étages de sa maison et mourir dedans. Moi je l'ai fait, mais j'ai maîtrisé le feu. Et la meilleure pour la fin. Un couple dans une voiture décide d'allumer un bâton de dynamite et de le lancer pour voir ce que ça fait. Enfin, pour voir ce que fait l'explosion. Donc petit A, ils vont se rendre compte trop tard que la mèche de la dynamite est trop courte. Petit B, sous l'effet de l'alcool, ils vont tout simplement oublier de s'en débarrasser. Petit C, en lançant le bâton de dynamite par la fenêtre, ils se rendent compte trop tard que toutes les fenêtres sont fermées. Je veux bien la C, moi. Ouais, moi aussi. C'est bien la C, oui. Moi, j'aurais bien voulu voir la tête du mec quand il a lancé la dynamite. On dirait des mauvaises blagues, quoi. Non, mais ça s'est vraiment passé. Oui, puis on a oublié de dire aussi au début que le terme Darwin Award, ça vient de Darwin, justement, pour tout ce qui est sélection naturelle. Et ben, on va s'arrêter là et on va faire une petite pause avec Happy de C2C et on retrouvera Lilian qui nous présentera la recherche au CRPG. Bonjour ou rebonjour dans Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Nous en sommes à Lilian qui va nous parler de la recherche au CRPG et nous retrouverons Magali après qui nous fera un quiz sur la place des femmes dans les Nobel. Alors oui, alors juste avant que je commence, il faut savoir que Nancy c'est un assez grand pôle de recherche et d'enseignement en géosciences, donc en géologie. Alors, est-ce que vous pouvez me rappeler ce que signifie le sigle CRPG ? Centre de recherche en pétrologie et géochimie ? Oui, Magali. C'est le centre de recherche est composé de chercheurs, d'ingénieurs de recherche et d'enseignants-chercheurs. Qui ont tous un doctorat et qui font tous de la recherche, mais aussi de techniciens, de personnel administratif et de chargés de communication qui s'occupent du fonctionnement pratique du labo et des financements et du lien avec le grand public. Le but c'est surtout de créer, mais surtout de partager des savoirs, parce que faut savoir que du coup, comme c'est des enseignants-chercheurs, comme il y a des enseignants-chercheurs, ils peuvent transmettre ce qu'ils découvrent aux étudiants. Il y a aussi des publications scientifiques qui visent essentiellement d'autres chercheurs pour faire progresser encore plus rapidement la science et aussi il y a de la vulgarisation. Et justement, oui, ce que je voulais te demander, ils font quoi pour la vulgarisation ? Il y a des émissions, il y en a certains qui sont interviewés à la télévision, il y a des articles dans les journaux locaux ou dans les journaux plus. J'ai vu aussi qu'ils faisaient beaucoup de conférences au Muséum Aquarium de Nancy. Récemment, il y en a eu une sur la Lune en plus. Ah, peut-être. Au CRPG, il y a quatre grandes thématiques qui sont abordées. Il y a la formation et l'évolution du système solaire et des planètes. Il y a une autre grande thématique, c'est les magmas et les fluides profonds. C'est quoi les fluides profonds ? Ça peut être le fait qu'il y ait de l'eau qui s'infiltre dans les fissures. Au niveau des dorsales, par exemple. Sous les océans, c'est ça ? Des volcans sous-marins. D'accord. Il y a aussi une partie qui est consacrée à la tectonique et à l'érosion des reliefs. Donc, ils font des recherches sur des processus climatiques qui permettent qui engendrent la destruction des chaînes de montagnes, ce genre de choses. Et il y a aussi une partie qui s'appelle cycle, atmosphère et climat. Et là,
et travaille surtout sur le changement climatique et les impacts géologiques qui vont en découler, par exemple. Donc ça peut aussi être un peu l'érosion. Oui, c'est les deux-là sont assez liés, mais voilà, il y a une partie qui est plus axée sur vraiment le climat et l'autre qui est plus axée sur l'érosion des reliefs. Alors, je vais vous parler de quelques grandes missions du CRPG. Alors, il y a la mission Genesis qui avait pour but de récolter des vents solaires pour connaître la composition du soleil. Il y a eu la mission... Alors, est-ce que tu peux définir ce que c'est qu'un vent solaire ? En fait, le soleil, il émet des... Il y a en fait plein de réactions Bah, pour vulgariser, le soleil, il envoie des grosses vagues de chaleur. Oui, voilà, c'est ça. Il y a des réactions nucléaires dans le soleil qui envoient des grosses vagues de chaleur et il y a des particules qui sont... Comment ? Qu'on peut étudier. Et qu'on peut voit étudier pour pôle, connaître la composition du soleil. C'est ce qu'on voit au pôle, ce qui est auréal. Voilà, c'est les aurores boréales, ouais, c'est exactement ça. Il y a aussi, du coup, une mission qui s'appelle Stardust, la poussière d'étoiles. En fait, ça visait à récolter des poussières de comètes et du coup, en analyser la composition et de là à découler des hypothèses concernant l'origine de l'eau sur Terre. Ouais, ce qu'on appelle la cosmochimie, le domaine de recherche. Oui, c'est ça. Pardon, désolé. Et d'ailleurs, en parlant de cosmochimie, vous pouvez retrouver sur YouTube l'interview de Lionel Vachet, qui était justement doctorant en cosmochimie, et sa thèse était sur l'eau dans l'univers. Il y a aussi des travaux qui ont été menés sur des roches très anciennes au Groenland. Il y a aussi des travaux sur des pierres précieuses, parce qu'ils ont une sonde ionique qui permet de connaître précisément les compositions des pierres précieuses, et on peut avoir des traceurs qui permettent de remonter jusqu'à l'origine de, en fait, jusqu'au gisement, et ça c'est très intéressant au niveau des historiens, par exemple pour connaître l'origine du gisement de bijoux qu'on retrouve dans des tombes, pour connaître les échanges entre les personnes, etc. C'est des applications aussi qui peuvent Donc la géologie, au final, ça sert aussi pour les historiens. Oui, ça peut servir aux historiens. Il y a aussi des campagnes océanographiques. Donc, ils font des carottes dans l'océan. Et ça a permis de se rendre compte qu'en fait, les volcans sous-marins sont beaucoup plus complexes qu'on le pensait. C'est-à-dire ? Eh ben... On pensait juste qu'il y avait des volcans au milieu de l'océan et que ça émettait du magma, de la lave en continu, et que les océans ils étaient en expansion à cause de ça. Et en fait, ils se sont rendu compte que c'est bien plus complexe que ça et que c'est pas continu et il y a plein de... C'est pas un seul volcan en fait, c'est pas un seul cratère, mais plein de petits cratères, etc. Ensuite, ils ont fait des études sur l'érosion de l'Himalaya, des études sur les volcans d'Auvergne, et ça s'est passé à la télévision, en fait. Et il y a en fait du magma liquide sous la chaîne des puits en Auvergne encore maintenant, et ça c'était assez impressionnant parce qu'on s'imaginait qu'ils étaient éteints depuis longtemps, et en fait non. Du coup, on peut s'attendre à une éruption bientôt, en France ? Alors, normalement non, et j'imagine que c'est des choses qui sont très contrôlées quand on connaît les dispositifs qu'on peut mettre en place sur des volcans. C'est très très précis et en fait, souvent c'est mesuré avec des lasers et des variations très fines de mouvement des volcans peut déclencher une alerte, et là après on va faire des études qui sont plus poussées et pour potentiellement prévenir une éruption, bien à l'avance. D'accord, mais ce serait pas totalement oublié, alors ça resterait dans le domaine du possible. À ma connaissance, oui, après je dois t'avouer que j'ai pas fait de recherche plus que ça.
Alors, du coup, ils ont aussi fait une mission spatiale encore qui s'appelle la mission Rosetta, qui devait se poser sur la... Enfin, ils ont participé et qui s'est posée sur la comète Chury, et ils ont récupéré des échantillons qu'ils ont analysés dans le labo. Il y a aussi le diamant retrouvé le plus profondément dont Corentin nous avait parlé. Et ils font aussi du travail sur des inclusions magmatiques, c'est-à-dire des toutes petites bulles de magma qui sont coincées dans des minéraux. Et il y a des choses particulières dedans et ça permet de connaître la composition des magmas au départ. Merci Lilian, on se retrouve juste après une pause musicale avec BLV pour le quiz de Magali sur la place des femmes dans les Nobel. A tout de suite. Rebonjour, vous êtes dans la dernière partie de l'émission Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Et on écoute maintenant le quiz de Magali sur la place des femmes dans les Nobel. Alors oui, alors donc j'ai déjà parlé donc dans ma chronique de la place des femmes dans l'attribution de la médaille Fields, donc qui est de 2%, donc d'une femme. Et donc est-ce que vous savez combien de femmes ont été récompensées par les prix Nobel, donc toutes disciplines confondues, donc depuis sa création en 1901? En comptant médecine, littérature, attends, tout, tout, ou... toutes disciplines confondues. Est-ce qu'on peut avoir le nombre de prix Nobel qui ont été décernés en tout? Ouais. En comptant les hommes. Ouais. Alors, je fais un rapide calcul, 895. Ouais, je dirais une centaine, 100, 200, 150. Moi, je dirais pas autant, je dirais une cinquantaine. Ouais, moi je dirais entre 50 et 60. Ouais, j'aurais dit pareil. Alors, il y a eu donc 52 femmes récompensées par le prix Nobel. Non, enfin non, 52 prix Nobel décernés, dont 2 à Marie Curie. Donc, au et final, 51 femmes. Avoir eu 2. Oui, donc 51 femmes récompensées par le prix Nobel. Donc, elles représentent que 5,7 des prix Nobel en 117 ans de prix Nobel. Sachant que chaque année, plusieurs chercheurs sont récompensés par ce prix, puisque, enfin, aux mêmes chercheurs, aux mêmes personnes, dans les prix Nobel de la paix, c'est la même chose. Enfin, c'est vraiment des groupes de personnes qui sont récompensées. Est-ce que tu sais les pourcentages de participation des femmes par rapport aux hommes? Alors, pour voir, parce que s'il y a 5% de femmes par rapport aux 95% d'hommes, ça se tient, tu vois. Non, mais je sais que, par exemple, donc, pour Marie Curie, mais on en parlera plus tard, mais pour une autre femme aussi, souvent c'est ça, les participations sont très controversées. Alors, je sais plus exactement qui c'était, mais... Encore de nos jours, c'est controversé? Oui, oui. Enfin, oui, mais surtout avant. Et il y avait une femme, il me semble, qui devait être récompensée et qui a eu beaucoup de mal. Et, parce qu'il voulait vraiment récompenser l'homme qui l'avait aidée. Et elle, la mettre de côté, quoi. Mais je ne sais plus son nom. Ah, il voulait la mettre de côté. Parce que souvent, c'est un groupe hein, qui est récompensé. Oui, oui, par mais les elle faisait partie du groupe et c'était vraiment une tête pensante du groupe. Et elle a mis des années, enfin, quelques années avant de réussir à avoir son prix Nobel. Donc. Deuxième question, donc selon vous, qui a été la première femme à recevoir le prix Nobel et en quelle année? Bah Marie Curie, mais l'année, je sais plus si c'est dans les années 60, non? Non, c'est en vrai j'en ai aucune idée, j'ai dit... Marie Curie, mais elle a pas eu post-mortem ou un truc comme ça? Oui, je non. crois. Alors, je sais pas, je pensais, je croyais. Après, ouais. je connais pas les... Elle l'a eu en 1903 pour en physique. Ah oui, bah oui. Donc très très loin des années 60. Exactement, oui. Et donc elle a eu son second prix Nobel en chimie en 1911. Tu sais quand est-ce qu'elle est morte ou pas, savoir si elle était jeune ou vieille quand les a reçus. Enfin, généralement ils sont plutôt... J'ai pas ces dates, désolée. Donc, on peut découper donc, le prix Nobel donc, qui s'étale aujourd'hui maintenant depuis 117 ans. En période de 25 ans, donc est-ce que vous savez depuis 2001 combien de femmes ont reçu le prix Nobel? Oui, une vingtaine. Oui, dans ces eaux-là, parce que... Ouais, donc là, y a, en fait, depuis 2001, il y a eu 19 femmes qui ont reçu le prix Nobel. Donc 19 femmes en 17 ans. Sachant que les 25 premières années, donc lors de sa création, seulement 4 femmes l'ont reçu. Dont Marie Curie. Donc, alors ça, c'est quand même quelque chose que je trouve étonnant, c'est que Marie Curie donc, a eu le prix Nobel... deux ans après sa création. Et donc on pourrait se dire que les femmes étaient dès le début prises en compte, alors que ce n'est pas du tout le cas. Elle travaillait beaucoup avec son mari. Oui, et c'est son mari qui devait recevoir le prix Nobel et qui a dit non, en fait c'est ma femme qui... Enfin, ma femme est aussi là en fait, donc elle a autant... Elle le mérite tout autant. Oui, elle le mérite tout autant que moi, donc c'est pour ça que Marie Curie a eu son prix Nobel. Après, il faut savoir que... À cette époque, les scientifiques étaient majoritairement des hommes. Oui.
parce que le domaine de la science était assez fermé et il y avait très peu de femmes. Oui. Et ce qui est dommage. Enfin, ce qui est dommage, oui, ce qui est dommage. Mais voilà. C'est les mœurs de l'époque. Oui. Et alors, en 2018, est-ce que vous savez combien de femmes ont été récompensées, donc, encore une fois, toutes disciplines confondues, par le prix Nobel ? Quand ça ? En 2018 ? Cette année, 2018. Cette année ? Si tu demandes ce qu'il y en a eu, donc... 3 ? Ouais, j'allais dire 3 aussi. 2 ou 3. Je sais même plus si c'est un homme ou une femme qui a eu celui de littérature, donc... Ah, c'est un homme. Oui. Donc, oui, c'était bien 3. Donc, il y a eu Donna Strickland en chimie, Frances Arnold en physique et Nadia Murad pour la paix. Donc, et qu'est-ce qu'il y a je ne vais pas dire ce qu'elles ont fait, mais ça fera l'objet de prochaines chroniques. Okay. Prochaine chronique. Donc, la moitié des disciplines ont vu des femmes récompensées. Alors, j'ai pas fait le ratio hommes-femmes de cette année, mais du coup, il y a quand même la moitié des disciplines qui ont récompensé des femmes. Puisqu'il y a en tout 6 disciplines du prix Nobel. Alors là, j'ai juste 2 dernières questions, mais sur d'autres prix que le prix Nobel. Donc, il y a également le prix Turing, qui récompense des personnes donc, qui travaillent dans l'informatique, et qui a été créé en 1996, et qui voit des personnes donc, récompensées tous les ans. Est-ce que vous savez combien de femmes donc, ont été récompensées par ce prix ? Parce que déjà, peut-être que vous ne connaissez pas ce prix, mais... Alors, je vois qui est Alan Turing, mais je ne vois pas le nom, le prix, j'en ai jamais entendu parler. Depuis... Enfin, il y a combien de personnes qui ont été récompensées en fait ? 65. 65. Je dirais un tiers. Au moins. Ça doit être 5, 10. Ouais, une dizaine. Ouais, bah pareil. Alors, il y a eu 2 femmes pour 63 hommes. Donc, alors que c'est un prix assez récent. Après, c'est de l'informatique. Les femmes se retrouvent beaucoup moins dans l'informatique. Parce que c'est un domaine jugé très très masculin. Mais alors que... Enfin, pas du tout, au final. Bah, comme tous les domaines, au final... Oui, c'est ça. Il n'y a pas de domaine masculin ou féminin. C'est... Oui, voilà. C'est ça. Et donc, il y a également donc, un autre prix, le Millennium Technology, qui existe depuis 2004 et qui récompense des ingénieurs. Et alors, celui-ci, il est donné, en fait, que tous les 2 ans. Et sur 8 personnes récompensées, est-ce que vous savez combien de femmes l'ont été ? La moitié. Une seule. Oui, mais j'aurais dit une aussi. Ah, je... Oui, 2. Eh bien, aucune. Ah. Il n'y a que des hommes. Donc, il y a eu 8 hommes récompensés pour mais aucune femme. Ouais, mais après, il y a... Faire attention. Est-ce qu'ils ont... Ça a été vraiment... Ils ont vraiment jugé par les performances des personnes et c'est tombé bah, que sur des hommes. Ça fait quand même beaucoup. Ou bah, sur 8, c'est pas un échantillon après, très important. Oui, c'est alors oui, il faut voir comment ça évolue. Mais au vu des autres prix qui sont décernés, dans même le prix Nobel, ça fait des années qu'il existe, en 17 ans, on est quand même qu'à 5,7 des prix Nobel féminins. Oui, mais il faut savoir que les mœurs ont évolué et du coup, le ratio, c'est pareil, si on prend le ratio des femmes qui étaient scientifiques à l'époque, qu'on le rapporte au nombre de prix Nobel, peut-être que ça joue aussi. Faudrait oui, c'est sûr, mais... Ça serait plus intéressant faire un débat là-dessus, une prochaine fois, peut-être. Oui. Bah, déjà, là, on voit déjà qu'on est passé de 4 prix Nobel féminins en 25 ans à 19 en 17 ans. Oui, c'est ça. Je pense qu'il faut donc, plutôt voir oui, sur les 20 prochaines années au final. Genre, repartir de 2000 à jusque 2025, ce serait plus intéressant parce que en vrai, on se base sur des chiffres qui sont assez anciens et clairement, les mentalités changent. Peut-être pas assez. Enfin, peut-être, mais c'est sûr. Très lentement. Très lentement et pas assez, mais on est quand même sur une voie plutôt positive qu'avant. Pas assez encore, je le redis. Mais je pense que ces chiffres, faudra plus. Faudra voir à l'avenir. Ouais, voilà, faudra là, voir à l'avenir. Pour l'instant, c'est, c'est des chiffres qui existent aujourd'hui. Et bien, sur ce, merci Magali. Nous étions déjà dans la dernière partie de l'émission. Nous nous arrêterons à cette question. On se retrouvera dans 2 semaines. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Facebook et sur la chaîne YouTube où vous retrouvez les anciennes émissions. Sur ce, on vous souhaite tous un bon week-end et à bientôt. If you wanna let go, so I'll let you go.